Un monarque peut-il en influencer un autre? Lors de son allocution de la Saint-Sylvestre 2023, la reine Marguerite II a annoncé que son règne prendrait fin le 14 janvier, 52 ans après avoir accédé au trône, au profit de son fils, le prince héritier Frédéric. Depuis, plusieurs experts royaux et proches de la couronne se demandent si le roi Charles III pourrait prendre la même direction. Pour Paul Burrell, qui a travaillé pour la princesse Diana durant plus de 10 ans, jusqu'à son décès, l'abdication du monarque britannique est inévitable, a-t-il annoncé mardi 30 janvier dans le New York Post. Je pense que, l'abdication, va arriver dans ce pays, explique-t-il. Ne laissant que peu de place au doute, il estime que le monarque britannique et son épouse devraient céder leur place au prince et à la princesse de Galles dans les prochaines années. Je pense que si est un plan sur 10 ans, lance-t-il au média étasunien. Et détailler son raisonnement, je ne pense pas qu'il voudra continuer à être roi alors que les têtes couronnées d'Europe auront déjà compris qu'elles peuvent passer le relais à leurs héritiers, les voir devenir monarques et en profiter. L'ancien majordome de la princesse des cœurs en profite d'ailleurs pour se questionner, il voudra voir son fils couronné. Qui ne voudrait pas voir son fils atteindre le sommet de sa carrière? Mauvais timing pour une abdication? Si Paul Burrell tente de prédire l'avenir de la couronne britannique, le roi Charles III ne laisse pas entrevoir de potentielle abdication dans l'immédiat. Et pour cause, après une courte convalescence, nécessaire après avoir subi une opération bénigne de la prostate, le monarque accompagné de son épouse prévoit de nombreuses obligations officielles pour l'année 2024. Dont certaines, comme le voyage en Australie annoncé par le Daily Express et confirmé par le Premier ministre, sont primordiales pour l'avenir de la monarchie. Dans le même temps, le père de famille devrait également gérer l'imprévisibilité de son fils cadet et de sa femme, annonçait le Daily Express le 30 décembre dernier. Ainsi, serait à prévoir pour 2024 plus d'action que d'abdication. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Dana Press.